Bonjour, Marc-André Caissier ici pour Power Sports Québec. Aujourd'hui, on vous parle de quelque chose de nouveau qui est arrivé sur le marché récemment. Ça vient de chez mes amis, chez Kimpex. On a triché un peu, on l'a ouvert, mais je vous montre comme il est sorti. C'est un casque. Ben non, c'est pas un titan. C'est tellement nouveau qu'il n'y a pas encore de boîte. Et on vous parle aujourd'hui du Mission de CKX. Vous avez certainement vu récemment qu'on a fait une vidéo avec, avec un représentant de Kimpex, Bruno Pierre Pépin. On était au show Kimpex et on m'en a envoyé un. C'est un prototype, il n'est même pas homologué encore. Mais je voulais voir de plus près c'était quoi exactement parce que il m'intrigue beaucoup, ce casque-là. Parce que à peu près toutes les... Tu sais, quand on roule des fois, là, surtout avec un casque en hiver, quand ça va pas bien, on se pose toujours la question, qu'est-ce que je pourrais avoir comme casque? Il y a beaucoup, beaucoup de casques sur le marché. Il y a du casque d'entrée de gamme maintenant qui est de très, très haute qualité. Mais il y a toujours un petit quelque chose qui ne fait pas l'affaire. Comme spécialement le monde comme moi, qui sont un petit peu plus âgés, il y en a toutes les âges d'ailleurs, c'est les fameuses lunettes. Surprise, lors de mon essai initial au salon Kimpex, on peut porter nos lunettes avec. Mais ça reste un casque de trail. C'est un casque pour faire de la promenade ou en motoneige ou en VTT. Qu'est-ce qui est vraiment cool de ça? On a le look, le fameux look. Là, je pense qu'on appelle ça le pare-soleil. Hein, Jason? On appelle... La palette, tu parles de la palette? La fameuse palette, ouais, on appelle ça en québécois, on appelle ça. Le look hors-piste. Ben, ça donne le look hors-piste un petit peu, le look motocross. Mais, ce qu'on ne vous a pas montré dans la vidéo initiale, c'est que c'est relativement facile à enlever. C'est un mouvement par en haut circulaire. Il faut que ça soit ferme un peu, là. Autrement dit, quand tu te plantes, ça démarre. On ne sait pas pourquoi Jason dit ça, hein? Mais non, c'est... Là, si on regarde les fonctions, c'est que, encore là, c'est toute la palette en avant qui lève. C'est la vitre au complet. Et cette vitre-là va venir ou double ou électrique. Mais par contre, c'est à l'intérieur ici que la magie se fait parce qu'on a un paralène. C'est un genre de néoprène, un genre de morceau de rubber. Du rubber. Mais ça, ça va venir épouser les formes de votre visage et minimiser la possibilité de buer. Par contre, ce qui est vraiment, vraiment cool, c'est l'espace qu'il y a à l'intérieur entre vos yeux et la visière. Et l'intérieur est assez mou. Il y a même une petite séparation pour pouvoir laisser les branches de vos lunettes passer. Donc, pour les porteurs de lunettes, enfin, un casque un petit peu plus haut de gamme qui accepte nos fameuses barniques. Là, on vous parlait du paralène. Bien aussi, ce que j'aime, c'est que c'est facilement lavable comparé, mettons, au paralène, des fois en tissu. C'est ça qui fait souvent qu'un casque, ça pue. Parce qu'il est un peu moins lavable. Tandis que ça, c'est un bon coup de guenille avec un petit savon doux. Ça va faire l'affaire. C'est la grosse mode maintenant d'avoir une visière rétractable. Comme ça. L'avantage de ce visière rétractable-là, on avait parlé avec Bruno, c'est qu'elle est énorme. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? C'est que tu ne ramasseras pas avec la moitié de la visière à voir jaune, puis l'autre moitié à voir la neige. Donc, la couverture est excellente. Ce qu'on ne dit pas non plus, c'est la distance entre la fameuse visière et la visière extérieure. On a approximativement 3 cm. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, 3 cm? C'est qu'on va avoir une circulation d'air qui va être intéressante à l'intérieur du casque, justement, pour ne pas qu'elle givre. Le problème avec le givre, c'est quand on n'a pas beaucoup de circulation d'air, l'humidité s'accumule et avec le froid, on crée ou du givre ou de la buée. Ce qu'on ne veut pas avoir dans un casque, parce que tu ne vois plus rien quand c'est embué. Ce qui est le fun de cette visière-là, c'est qu'on se ramasse quand même avec un casque intégral pleine grandeur. Donc, la mâchoire est protégée en cas de pépin. Parce que manger un coup de poignet, près de sa mâchoire, en cas d'impact,
Et ça fait pas du bien. Mon menton peut vous en parler. On le voit pas avec la barbe, mais j'ai une belle cicatrice ici. Ça date de mes 14 ans avec un casque open face. Puis l'affaire la plus intelligente, ou ce que je trouve, ce qui est le plus... le design qui fait que tout ce casque-là peut fonctionner justement sans avoir de buée, c'est ça ici, là, à l'intérieur du casque. Si on regarde, il y a une très grande ouverture. L'ouverture ici, elle fait à peu près 3 cm par 1 cm de large. Et c'est la même longueur, ça s'en va jusqu'en arrière pour terminer sur une sortie ici. La sortie est plus grosse à l'arrière, spécifiquement pour une chose. Premièrement, regardez les ailerons ici. Ça, c'est tout pour créer une genre de zone de basse pression. Je sais qu'on rentre dans le techno machin truc, mais en principe d'aérodynamisme, ça fait du sens qu'on nous explique chez CKX. Donc, on devrait avoir une aspiration à partir de, je dirais, à peu près vers 30 km/h, ça devrait commencer à fonctionner. On va avoir une pression négative qui sort en arrière du casque, donc ça va vouloir tirer un petit peu l'air et ça va faire sortir surtout l'air humide qui se ramasse tout le temps dans notre bouche l'hiver. Honnêtement, là, en regardant le côté mécanique, technique un peu de la chose, ça fait beaucoup, beaucoup de sens. Au côté pratique, j'ai pas eu la chance encore de l'essayer. C'est une unité de production, mais elle n'a pas les premières qui roulent sur la ligne d'assemblage. Le côté le plus cool, encore là, ça reste la visière. Regarde. Vraiment génial. Deux systèmes de ventilation sur la visière. On a une ventilation qui est en bas ici par venturi, donc c'est par aspiration. C'est moins direct. Et on a un système de ventilation direct ici. Si on regarde bien, là, vous allez voir, il y a quatre trous d'entrée d'air qui s'en vont se mettre à la base de la visière. Donc, par les journées un petit peu plus chaudes, on ne mourra pas de chaleur à l'intérieur de ça. Donc, c'est quelque chose que moi, je trouve très, très bien. Comme je vous dis, depuis plusieurs années, j'en ai essayé. J'ai essayé à peu près 30. Une bonne trentaine de casques. En général, les casques maintenant sont très bien. C'est plus ce que c'était comme dans les années 80 ou 90, où que les casques étaient pas mal toutes pareilles. Ça se démarque. Ça se démarque parce que la première chose, c'est son poids. Pour un casque aussi volumineux que ça, avec beaucoup de technologie à l'intérieur, c'est très léger. Donc, moi, j'aime bien ça. On parle de 500 quelques dollars d'entrée de gamme, jusque dans les 800 pour le modèle avec carbone, avec visière chauffante. C'est pas donné. Mais, fiez-vous à moi sur celle-là, c'est très, très, très bien fait. La qualité d'assemblage est impeccable, fini et beau. L'intérieur, c'est typique aux nouvelles générations CKX, c'est vraiment confo, c'est moelleux, c'est du moelleux pour la tête. Non, j'aime bien. À date, ça regarde très très bien. Tout ce qui nous reste maintenant à faire, c'est aller l'essayer. Ouais. Je pense qu'on va aller faire un tour de quatre roues.